Alors, les écoles de Coëtquidan disposent depuis quelques années d'un centre de recherche que nous appelons le CREC, le Centre de Recherche des Écoles de Coëtquidan, qui s'intéresse à des grandes problématiques de défense. Et nous avons souhaité effectivement nous interroger à l'occasion du 30e anniversaire de l'intégration des premières jeunes femmes à Saint-Cyr sur la question et la présence des femmes militaires. Voilà pourquoi nous avons organisé ce colloque, à travers des visions très diverses, des disciplines très diverses, aussi bien l'ethnologie que l'anthropologie, des questions qui partaient toujours de témoignages concrets de femmes qui faisaient part de leur expérience. Les perspectives professionnelles des jeunes femmes qui rejoignent actuellement Saint-Cyr sont identiques à celles de leurs camarades masculins. Je crois qu'il y a néanmoins une question qui est de nature politique. C'est de savoir comment on peut offrir à ces jeunes femmes, en termes de conditions de travail, de perspectives de carrière, qui leur permettent de concilier à la fois leurs aspirations personnelles et leurs attentes professionnelles. Les filles au kaki, ça semble vraiment une normalité. La représentation du combattant est essentiellement masculine, ça tient à des raisons historiques. Je crois néanmoins qu'elle évolue et les engagements les plus récents de l'armée française montrent qu'il n'y a plus aucune distinction de sexe. Quand on envoie des combattants en opération, hommes ou femmes, tous peuvent accéder aux mêmes fonctions et aux mêmes responsabilités opérationnelles. Après, il y a une autre question qui est sous-jacente, c'est la question de la visibilité. Je crois qu'il y a encore un effort à réaliser dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'à travers des reportages, à travers un certain nombre de publications, à travers les images que l'on présente, on peut donner plus de visibilité aux femmes qui effectivement participent à ces opérations. Avec 15,1% de femmes militaires, l'armée française affiche le plus fort taux de féminisation des armées européennes. Elle se situe au même niveau que l'armée américaine. Celle-ci a d'ailleurs donné, début 2013, aux femmes militaires les mêmes droits statutaires qu'à leurs collègues masculins. Les femmes intègrent petit à petit les postes des opérations spéciales qui est prévu pour 2015, aussi des postes dans l'infanterie et des postes sur des sous-marins. C'est vraiment les derniers postes auxquels, depuis 2013, les femmes ont accès. C'est vraiment en réponse aux opérations en Irak et en Afghanistan, parce qu'on s'est rendu compte, vu de la configuration des champs de bataille asymétriques et non linéaires, que les femmes étaient exposées au combat. Donc, elles occupaient des fonctions de combattantes sans forcément avoir la reconnaissance juridique et professionnelle qui l'accompagnait.